Par ailleurs, vous ne pouvez pas vous dispenser de penser que l'hypothèse selon laquelle il y aura une porte non fermée et mue par le vent n'était qu'une laborieuse élucubration destinée à apaiser la panique d'un cœur désormais fragile et peut-être épuisé. Et donc il se peut également que ce tracement soit la voie de cette pulsion rythmée et que tout rythme et grincement désignerait un être, certes indéchiffrable, mais qui n'en est pas moins un être. Peut-être une vie discrète ou timide, ignorant la présence d'autres êtres en pareil lieu. C'est bien ce que je fais ou pas? Je sais pas. Moi je voulais t'avoir deux faces pour pouvoir tes fesses, c'est bon. Je pensais que t'allais encore changer, genre j'allais te déranger. Ça me calme. Bon alors on va creuser tout à l'heure, on va faire une pause. Je ne veux pas prendre des desserts et pas manger. Non, non, ça va? Ouais, tu lui en as servi. Ouais, dessert de deux. Ouais, on va lui demander de se servir le café en même temps. Alors, tu prends quoi, Mérée? Moi, je prends une flottante. Ah, moi, je vais prendre le truc à la fraise, là, qu'elle nous a dit. Et toi, tu prends quoi, toi? Pareil, pareil. Ça sert du jour. Quand même 5 heures qu'on est parti. À quelle heure on a quitté l'autoroute, je ne vois même plus. Vers 5 heures peut-être. Ah oui, mais je suis bête si je fais dans... Ah bah oui, ça va être bizarre. Ah
Arriverons-nous à Cergy? Au ventre, l'onigène, la peur au ventre, c'est qui le...